Parfois, il y a des œuvres au sein du cinéma qu'il semble absolument essentiel d'avoir vues. Comme si on ne les avait pas vues, on ne pouvait pas parler de cinéma. Des essentiels, des nécessaires, des absolus qu'il faut connaître. Certains métrages que l'on retrouve dans tous les livres parlant de la cinéphilie, certaines œuvres étant essentielles pour comprendre, soi-disant, l'essence même de la fonctionnalité et de la puissance que se peut d'avoir une œuvre de cinéma cherchant à maîtriser tous les codes et à apporter une vision unique et singulière de la maîtrise que l'on peut avoir d'un cinéaste, de chaque aspect de son cadre et de la créativité qu'il va en germer. Ainsi, on reproche parfois à beaucoup trop de cinéphiles de ne pas avoir vu ces chefs-d'œuvre essentiels et parfois, on considère après les avoir vus que ces chefs-d'œuvre n'étaient peut-être pas aussi essentiels qu'ils pouvaient avoir été estimés. Et en ce sens, c'est peut-être cela qui en fait des chefs-d'œuvre, mais qui aujourd'hui sonne plus comme la genèse de tout ce que l'on voit au sein du cinéma, plus que comme un chef-d'œuvre intemporel et nécessaire à tout un chacun, pour saisir la puissance du cinéma et comprendre à quel point une œuvre peut être visionnaire ou tout simplement en avance sur son temps. Et le film dont on va parler aujourd'hui est un classique. Genre le saint des saints des classiques. Le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, l'essentiel parmi les essentiels, le film que tous les cinéphiles doivent absolument avoir vu. Un long métrage sorti d'une période trouble de l'histoire, qui dans un premier temps fut facilement classé comme étant un bon film, mais sans plus, et a su gagner à la sortie de la Seconde Guerre mondiale une notoriété folle, notamment au cœur de l'Europe comme en France, où il a rapidement été porté au pinacle comme une vision moderne et folle du cinéma, notamment par de nombreux auteurs de la Nouvelle Vague. Et par là même, il a surtout mis en avant un homme qui allait devenir un monstre sacré du cinéma, un certain Orson Welles, dont il s'agit tout de même, excusez du peu, du premier long métrage de cinéma, qu'il a tourné avec sa troupe d'acteurs personnels, comme si cela ne suffisait pas, donnant lieu à un Citizen Kane qui est très longtemps resté dans les classements du monde entier comme étant le meilleur film de tous les temps, avant d'être rattrapé récemment par un certain Sueur Froide, mais restant tout de même bien classé dans ses tops, et rappelant que même si la plupart des gens ne connaissent pas ses métrages suivants, celui-là reste bien ancré dans les consciences. Plongeons donc dans l'univers unique et fou d'un premier film devenu un monument du 7e art presque uniquement avec le premier mot prononcé dans celui-ci, Rosebud. Lorsque l'on regarde pour la première fois Citizen Kane, il est indéniable qu'on va se poser notamment une grande question en termes d'écriture. Est-ce que j'ai pas déjà vu cette histoire maintes et maintes fois au cinéma ? Car oui, il est évident que le travail du scénario de ce cher Herman K. Mankiewicz, dit Mank, avec Orson Welles, est un travail titanesque pour l'époque, cherchant à raconter l'histoire d'un homme en parlant uniquement de son dernier mot, chose difficile, et qui permet surtout de créer un mystère immense autour de cet homme et d'amener ainsi le spectateur vers une direction où il passe son temps à se demander ce qu'il va y découvrir. En ce sens, les deux scénaristes ont réussi à développer une structure dramatique qui encore aujourd'hui résonne comme la base d'un paquet de longs métrages, allant même jusqu'à créer un archétype, puisqu'encore aujourd'hui, si un film commence par la fin, on citera forcément comme référence le travail de Mankiewicz et Welles. Quand je dis qu'ils ont réussi à mettre en forme la base de tout un cinéma, ce n'est pas un euphémisme. Je pense profondément que si aujourd'hui Citizen Kane est ce qu'il est, c'est en grande partie parce que ce scénario en a inspiré bien d'autres. Et continuera certainement à le faire tant on sent que son influence ne perd pas en impact au fil des années. En termes de réalisation et de scénographie, il est indéniable que le film est en avance sur son temps. Un point tout de même assez inimaginable pour l'époque. On peut facilement citer le long métrage de Welles comme l'un des plus grands moments d'audace cinématographique de son histoire, car en se replongeant dans l'époque, soit 1941, cela semble fou d'imaginer un auteur se servir aussi bien du montage, aussi bien de la mise en scène, aussi bien de son cadre pour mettre en relief non seulement son histoire, son personnage, mais également la démesure de l'ambition de son cinéma. Même si l'on peut considérer qu'aujourd'hui, comme l'écriture, celle-ci a été maintes fois copiée et refaite, il est également évident que la puissance et l'iconicité de certains plans fonctionnent encore à merveille, symbole d'une puissance visuelle et d'un travail de photographie fantastique de Toland, parvenant à la fois à rappeler certains effets expressionnistes du cinéma allemand, mais allant également tout simplement chercher du côté d'une innovation technique et visuelle qui reste encore à l'heure actuelle un modèle de modernité. Un modèle qui ne cesse de passionner et qui rappelle surtout à quel point Orson Welles était un génie de la mise en scène. Car pour rebondir sur l'idée qu'Orson Welles est un génie, il est important de rappeler que Citizen Kane est son premier passage derrière la caméra pour un long métrage.
Si juste avant, le metteur en scène avait à son actif un court-métrage et une comédie de 1 heure, il est important de remettre en avant le fait que le cinéaste met ici en forme son premier long-métrage, et que, en ce sens, c'est un véritable coup de génie que de réussir à poser comme première œuvre de cinéma un chef-d'œuvre intemporel, à l'ambition totalement démesurée et folle, et en ce sens, Wells s'en impose et fascine. Tout de son long, le long-métrage est comme ça, constamment. Dans sa musique fantastique de Herrmann, dans la composition des cadres de Tolland, dans la majestuosité de la composition des décors de Nels Poelglas. Bref, on ressent dans chaque morceau de cette œuvre une ambition folle, comme si bien au-delà de ne penser qu'en termes de force et de graphisme, Wells avait réussi à convaincre son équipe entière qu'ils étaient en train de construire un morceau de cinéma unique, et qu'ils allaient le faire ensemble, comme un coup de poker à jouer dans une industrie où ils allaient tout révolutionner dans le futur. C'est cela que je trouve exceptionnel, c'est que même s'il y a des choses qu'on peut remettre en question devant cette œuvre, il reste cette ambition démesurée qui porte tout ce premier long métrage. Évidemment, lorsque l'on parle de Citizen Kane, c'est également par le biais de ses interprètes, qui viennent tous en plus de la même troupe de théâtre qui a été dirigée par Orson Welles. Joseph Cotten est splendide dans le rôle de Jedediah, imposant une prestation aussi folle qu'ambiguë, que ce soit simplement par sa posture de meilleur ami slash ennemi du personnage de Kane, ou que ce soit également dans ses séquences où il se confie à ce journaliste en quête d'une réponse pour le mot mystère de Kane. Dorothy Cummingore, que l'on a souvent vue comme une actrice un peu en roue libre dans le rôle de Suzanne, en impose tout de même, parvenant à rendre ce personnage un poil cruche, tout simplement magnifique, à l'image de ce que Kane veut d'elle, soit simplement une femme épousant sa démesure, son ambition d'esthète obnubilée par le pouvoir et la reconnaissance. Et puis bien sûr, il y a Orson Welles, aussi charismatique que charmeur, aussi terrifiant qu'apaisant, aussi juste que finalement démesuré dans son interprétation d'un personnage qui symbolise presque à merveille le personnage qu'il interprète, pour un moment de jeu qui sonnait déjà, à mon premier visionnage, comme le véritable atout majeur d'un projet dont il reste le maître absolu. Une œuvre au casting donc impérial, en sachant encore une fois que pour la plupart des interprètes, c'est leur premier passage devant une caméra. Pour être sincère, la première fois que j'ai vu le long métrage de Welles, j'ai eu la sensation que l'on m'avait un peu trop vendu le film, comme étant l'immanquable des immanquables du 7ème art, donc forcément, je suis sorti un poil déçu. Car même si je reconnaissais la puissance et le côté avant-gardiste de l'œuvre, je ne pouvais m'empêcher de me dire « tout cela pour ça ». Mais au fond, après quelques années et un certain recul, il est indéniable que c'est un immense morceau de cinéma. Une œuvre folle, démesurée, absolument incandescente dans son envie de vouloir marquer les esprits, rappelant avec une justesse et une démesure à la hauteur de son auteur que parfois, avoir de l'ambition est une bonne chose. Et indéniablement, l'ambition d'Orson Welles se ressent à chaque image, tapisse chaque mouvement de caméra, possède chaque interprétation. Bref, on sent qu'il s'agit d'une œuvre hors du temps, unique en son genre, jamais inégalée, toujours copiée, et rapidement reconnu comme un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui risque clairement de mettre plusieurs visionnages à vous convaincre, mais je vous l'assure, la découverte en vaut le coup d'œil.